Est-ce qu'on connaît tôt ou tard les États-Unis a entré la ville arrêter Lambert avec tout Yuri. Ou t'as connu ça? Bon, m'a heureux si c'est moi-même qui a annoncé ou ça. Tôt ou tard, les États-Unis qui pour entrer là viennent arrêter Lambert avec Yuri. Ou me répéter. Et m'a le bon toute raison là. Nous allons analyser, nous allons expliquer et après ça, nous allons le voir. Ou pas le comprendre. Dossier cargaison ZAM, ou bien BAL, yo jouen, nan machine, madame vice-délégué Belader là. Dossier pour l'autre coube. Après délégué a fin dit, c'est pas lui-même. Li va gagner pour ensemble avec ça, c'est madame ni. Et madame nan dit lui-même, c'est pour Chiller lui. Et Chiller lui lui-même, li parle. Chiller lui fait koné. Li va gagner pour avec cause BAL sa yo tout. C'est pour yon Dominicain. Dame nan tap transporte zam et bal yo. Wow! Gen koze a te ya. Va ti bagay nou gen la. Ou kompren sa? Chile lui, tout moun ap mande kote Chile lui passe. De CPJ tale nan hotel li tal chekel. Yo tal get kote msye ye. Yo te di msye nan ma o. Msye parle. Msye di se pa li mem. Msye di l bagayye pou loue ensemble avec cargaison zam sa yo. Bal sa yo. Mais plutôt, se pou yon Dominicain. À la traque papa, à la côté gen causé. Chalmas, Haïti ça zanmim. Je dis pas pour lui. Mais parallèlement, ou bien l'autre côté, gen moun qui t'a fait quoi? Midren. Qui c'est madame, pas connait maman petite, Chile Louis qui est qui c'est également en même temps madame vice-délégué Belader là. Yo ta fait koné dame ça li ta gen lien avec un série de bandits notoires dans capitale là donc barbecue donc zam sa yo ou bien bal sa yo c'est Port-au-Prince selon toute information yo bal sa yo ta pral rentrer. Tendez bien s'il vous plaît, bal sa yo ta pral rentrer Port-au-Prince Haïti chéri. Hey, à la côté gen cause papa, donc bal yo pa ta prêter Belader. Et selon les infos toujours, c'est pas première fois Midren Manessa Milien qu'on a transporté bal, mesdames messieurs. Et y a moun qui fait quoi? Vice délégué à au courant. Ça qui passe, mesdames messieurs, bagaille en pile. On compte ensemble avec oui. Ouf! Bagaille chaud. Ça gagne ici comme ça. Channel AC Haïti réflexion amis qui avec vous assez d'assise mais nous pral frapper, nous pral porter baou information encore actualité agent la passé là. Samedi k'ap vin là, samedi ap combien là, samedi ap 12, c'est date ça gouvernement placé pour gaz yo commencer distribuer dans toute pompe yo. Et parallèlement gen pile organisation politique qui annonce bois pral caler pire. Parce que gaz la pa vann nan prix gouvernement vle la. A la kote gen koze papa. Haïti chéri, j'aime mon pays. 650 goud ou encore 670 goud, c'est nouveau prix sa yo. Et gouvernement dit, li pa fè one pot, li pa fè bak, li mordicus, bois calé. Pendant ce temps, organisation politique yo, militant yo di yo même manifestation bois calé nan derrière gouvernement pour descendre prix gaz. Gouvernement di li même bois calé li même tout prix gaz la pa fè yon pa, li pa monter, li pa descendre. Rete connecté ensemble avec nous mesdames messieurs, nous pral croiser nan yon ti temps parce que nous pral porter toute actualité au baou là. Ou même c'est première fois que chance tomber sous nous, activez cloche notification kounya la même, ça veut dire abonner qu'a toujours été connecté. Et puis pas oublier nous partager, liker, commenter, gagner nouvelle là pour plus monde qui a été connecté. Restez connecté ensemble avec nous mesdames messieurs, n'a pas retourner dans un badge. Moi m'a dit est-ce qu'on connaît tôt ou tard les États-Unis a vinn arrêter Lambert à toute Yuri la tortue et m'bral bon raison yo là. Ou abonné déjà? Mais faire ça kounya ou gen intérêt pour faire ça? Écoutez, mesdames messieurs, écoutez. Yuri la tortue avec Joseph Lambert, gen des informations qui circulent qui fait quoi? Monsieur Serne yon nan trafic drogue. Et m'a
comme si nous t'étais de parler de Shelson Sano. Nèg sa qui t'a rendre tête li à DCPJ. Pas DCPJ mais plutôt RNDDH. Côté un rapport t'a circulé qui montrait dans qui niveau. Yon nèg tant que Joseph Lambert, Joseph Michel Martelly. Et Dozeni également selon rapport ça, nèg sa yo yon dans trafic drogue en dans pays a. Et les États-Unis au courant. Les États-Unis fait connaître. Li gen document FBI au courant également, DEA au courant que Joseph Lambert ak Yuri La Tortue yon dans trafic drogue. Maintenant, sanction la gen sou do nèg yo innocenté tête yo. Pour consolider décision ça, les États-Unis obligé vin arrêter nèg yo. T'as bien ça m'a dit parce que selon un pile moun se fou la et qu'a fait et m'bral faut attendre le chargé d'affaires américain qui pral consolider position là qui pral consolider sanction ça yo côté monsieur la bay preuve la montrer dans qui niveau yo gen information sensible et pertinente. Madame monsieur m'pa connais ça qui passé mais laissez-moi vous dire on est tout coup Yuri La Tortue c'est une nanèg qui plus ampoule en Haïti sur le plan intellectuel. Ça veut dire, c'est un monde qui t'a ka aidé pays a. Mais je ne sais pas par quelle raison, je sais pas, non Yuri La Tortue toujours associé dans toute malpropreté dans pays a. Yo accusé de tous les mots à tort ou à raison. Hein? Et m'pa konn pour qui? Mais non monsieur toujours associé nous paquet mauvais bagaille. Parce qu'on pas clean. Bon, faut attendre le chargé d'affaires américain en Haïti, William Eric Stroumeyer, monsieur qui a expliqué la position des États-Unis d'Amérique. Mesdames, messieurs, bagayo grave. Bon, qui t'entendez? Christian, là, nous va le frapper. Ça ne bosse, on lague pour vous. Je crois que c'est vu la situation de que nous vivons ici à Port-au-Prince depuis un bon moment et en Haïti en général. Nous, on a bien regardé les choses et on a décidé qu'il fallait passer, ça prend du temps, évidemment, avec notre système de justice, à prendre des cas précis, à pouvoir mobiliser le système pour faire des sanctions comme on a fait. Mais on trouve ces sanctions, c'est une façon d'identifier les forces néfastes qui ont mené à la conduite que nous vivons et à essayer de les cibler précisément, à essayer de changer leur comportement et aussi de changer, encourager le comportement d'autrui que peut-être nous, on n'est même pas au courant des détails qui sont aussi partie de cet effort. Comme tous les Haïtiens le sachent et moi aussi, il y a des certains éléments, on dit des élites, on dit des acteurs économiques, politiques et autres, qui sont en arrière des confrontements que nous avons vus ces derniers jours, qui ont bloqué le port, qui ont bloqué la distribution des choses à travers le pays depuis des mois, qui a mené à la situation difficile dans laquelle tous les Haïtiens vivent aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que nous avons, depuis un bon moment, ça a pris du temps, ont essayé de mobiliser à pouvoir mettre en place les sanctions que nous venons de voir dans les derniers jours, les dernières semaines, les visas, mais aussi les autres sanctions annoncées la semaine dernière, et bien sûr ce qui vient d'être annoncé hier. À quoi consiste exactement cette sanction? Vous voulez préciser ce qu'on a annoncé hier ou le tout? Non, le tout, le paquet. OK. OK, non, avec plaisir, avec plaisir. En effet, à l'instant, il y en a trois différents types de sanctions que nous avons imposées. Mais il y en a des autres qui peuvent être, sanctions, je dis entre guillemets, parce qu'ils ont des différents noms. Mais alors, on a fait des limitations de visa qui ont été annoncées par notre adjoint secrétaire d'État, M. Nichols, lorsqu'il était ici il y a 3-4 semaines, qui sont, en quelque sorte, sont en privé, où on a identifié de certaines personnes que nous avons décidé que grâce à les documentations que nous en avions, qu'on décidait qu'ils ne méritaient plus avoir des visas, ni eux, ni leurs membres de famille. Et alors, M. Nichols a annoncé cela. Ça, c'est quelque chose qui est en progrès, qui fait que les concernés sont informés à travers nos services, s'ils en ont des visas, que ben, voilà, ces visas sont plus valables et qu'il faut qu'ils se présentent au consulat à essayer de, ils ont le droit sur nos systèmes de pouvoir présenter les raisons pour lesquelles ils, peut-être ils pensent que nous avons des fausses documentations ou notre jugement est incorrect. Et c'est seulement à la suite de ça que cette interprétation devient permanente. En plus, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas eu une visa, mais grâce à les actes que nous les tenons comme responsables, on les met dans le système dès que, pour que s'ils se présentent
on peut voir on peut leur dire, et désolé, en effet, on trouve qu'il y a des certaines raisons pour lesquelles, sous nos lois, on trouve que vous n'êtes pas éligible d'avoir un visa. Alors, il y a ça, d'une côté. Il y a, à part ça, les annonces de sanctions ciblées qui ont été faites. Et la raison pour laquelle on ne dit pas les noms, c'est que, sous nos systèmes, dans ces circonstances, on veut que les concernés peuvent présenter des documentations qui peut-être prouvent que nous, on a tort. Et alors, peut-être, ils peuvent vous gagner le visa. Ça, c'est une côté. Mais il y a, par contre, les annonces qu'on a fait, c'était vendredi, par rapport à sénateur Lambert et sénateur Latortue, qui signalent que nous avons des dossiers très complets, signalant des certaines violations de loi qui ont été précisées, dans ce cas, transport de drogue et des autres choses. Nous pensons, sont très convaincants, très, très bien rédigés comme cas. Et en face de ça, on est en train de cibler soit leur visa, les membres de famille, mais aussi leurs biens et les autres choses qu'ils en ont. Et à contrarier les efforts néfastes qu'ils ont faits dans le passé, que nous trouvons sont en train de miner l'état de droit, la justice, la transparence, toutes ces sortes de choses. Et il faut que je précise, il y a les deux personnes qui sont nommées déjà, mais il y en a des autres qui viendront. Ça, c'est pas un processus fini. Alors, il y a cette sorte de sanctions. Et peut-être vos auditeurs, ils ont suivi aussi, on a fait pas mal de cette sorte de sanctions qui ont été déjà faites contre des éléments néfastes dans la Russie et dans des autres pays dans les dernières années. En tiers, il y a ce qu'on vient de déclarer hier, et je prendrai quelques instants pour vous le citer parce que j'ai en effet la déclaration faite par notre procureur général, Monsieur Merrick Garland. Il a dit que lorsqu'un citoyen américain est enlevé à l'étranger, le département d'État, je m'excuse, le département de la justice engagera l'importé de ses autorités chargées de l'application du droit afin de garantir son retour et en toute sécurité et tenir pour responsables les auteurs. Comme ces chefs d'accusation démontrent, nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires internationaux et interservices, aussi bien que les services haïtiens, dans le but d'interrompre ces mécanismes d'enlèvement contre rançon qui mettent en danger la vie des citoyens américains et alimentent les gangs violents et nuisent au peuple haïtien. Et j'ajoute qu'en effet, dans ce cas, cette série de, comme on a annoncé hier, comment dirais-je, les récompenses pour les informations qui mènent à ça. On a jusqu'à aujourd'hui, je crois, à travers le monde, avec ces sortes de systèmes que nous avons en place, pas simplement le programme annoncé hier, mais des autres semblables. Il y a 75 criminels transinternationaux, soit par rapport à l'importation des trafiquants, des stupéfiants, les rançons et les autres choses. Il y a 75 criminels comme ça qu'on a interpellés et amenés à justice aux États-Unis à un frais de 155 millions de dollars en récompense que nous avons versé dans le temps, dans des programmes similaires. Alors, nous espérons que cette sorte de programme pourra mener à justice les concernés qu'on a annoncés hier, mais il y aura encore des autres, au fur et à mesure qu'on annoncera dans tous les trois différents programmes. Et il y a d'autres sanctions qui pourront venir, mais je ne touche pas sur ça pour l'instant. Au moment où nous nous parlons, vous parlez de ceux qui ont été nommés, mais aussi des membres de leur famille. Il y a combien d'Haïtiens à peu près sous sanction, visa coupé et des gens dont les têtes sont mises à prix? C'est une question qu'il faut que j'admette. J'ai pas un numéro en tête précis si on compte tous les membres de famille et tout le reste. Mais il y en a pas mal. Ça s'est pas arrêté. Il y a des autres en processus. Et comme peut-être vous avez constaté, on est en train de travailler avec nos partenaires. Les Canadiens aussi, on a annoncé des différentes sanctions contre les personnes vendredi. Et il y a d'autres choses qui viendront. Mais vous donner une précision exacte, je suis pas dans une position, je pourrais faire je crois pas c'est à moi de mettre un numéro là-dessus, mais il y en a plus qui vont être annoncés. Ça viendra. Et c'est pas quelque chose qui sera rapporté dans des mois ou des années. Ça, c'est quelque chose qui va progresser fur et à mesure dans le plus ou moins proche avenir. D'accord. Comment peut-on passer, monsieur le chargé d'affaires, d'ami des États-Unis qui reçoit la visite du chargé d'affaires à quelqu'un sous sanction? Je parle du cas de monsieur Lambert, qui était un ami des États-Unis, à qui vous avez rendu visite comme président du Sénat il y a quelques mois, et maintenant il est dans la liste des sanctionnés. Comment passe-t-on d'ami des États-Unis à sanctionné par les États-Unis? Non, je comprends bien. Vous savez, c'est pas une question d'être ami ou ennemi. C'est plutôt une question de nos systèmes de justice qui poursuit des détails que nous trouvons, qui poursuit des cas que nous pensons être là. S'il y a des déclarations faites
peu et par mesure, on essaie de viser. Et en plus, on veut maximiser la possibilité d'avancer l'avenir d'Haïti parce que nous voulons tous voir des élections qui mèneront à une réinstitution des élections de la démocratie avec un président élu et toutes ces autres choses. Alors, en visant le panorama, disons, des acteurs haïtiens, des réalités de ceux qui jouent une situation dans la réalité courante, on était en train de voir qui, par rapport à ces acteurs, s'il y a des cas, et il y en aura des autres, qui sont impliqués dans des documentations que nous avons vues dans le passé, qui peut-être sont des personnes qu'on peut identifier, à essayer de bouger les choses dans la bonne direction. Et en ce cas de dire ennemi ou autre, ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé avant hier, mais on est arrivé à un stage de notre département de justice a dit oui, on pense que voilà, on a un cas très compliqué, très élaboré, très convaincant. Et alors, vu cette situation, on a décidé qu'il faut qu'on annonce que voilà, on prend des sanctions contre le sénateur Lambert. Il y aura des autres, mais c'est pas une question d'ennemi ou ami à un certain temps. On traite avec les gouvernements, des fonctionnaires des gouvernements, mais si on trouve une situation dans laquelle on trouve qu'il y a des certaines circonstances dans lesquelles un certain est trouvé un autre point de vue comme coupable de certaines choses qui disent que nous ne pouvons plus traiter avec, on le déclare. C'est ça qui s'est présenté maintenant avec les deux concernés qu'on a annoncé vendredi. Et comme j'ai dit, il y aura des autres dans l'avenir. Alors, voilà, ça, c'est ma réponse pour l'instant là-dessus. Merci. D'accord. Les sanctions, c'est une sentence judiciaire ou bien c'est une décision politique? Ça, c'est une chose. Ben, il faut dire qu'il y a le gouvernement américain, elle a ses capacités. Il veut dire qu'à un certain niveau, évidemment, il y a un calcul de qui on peut pas être en train de sanctionner. On n'a pas le moyen d'être en train de voir tous les différents cas à la même instant à voir. Alors, il y a une revue de ces choses, mais on essaie d'identifier de certaines individus ou en faisant les processus qu'on vient de faire, que ça mènera à une circonstance qui va faire progresser la conjoncture politique. Et alors, dans la situation, étant donné notre intérêt à ça, on regardait tous les cas possibles. On a décidé de procéder sur ces cas, mais c'est une combinaison des deux. Parce qu'évidemment, même si on avait des inquiétudes par rapport à certains acteurs, s'ils sont des acteurs qui sont ceux qui sont propres, qui n'ont pas des choses dont on peut dire que voilà, ils ont fait des choses néfastes en avançant la criminalité, la mi à miner comment dirais-je, l'état de droit, la transparence, à continuer à comment dirais-je, à miner la justice dans le système haïtien. Si on trouve que même si ça c'est le cas, s'il n'y a pas des choses criminelles à laquelle on peut pas l'avancer sur le plan judiciaire. Dans ces cas, on a trouvé bien qu'il y avait des raisons légitimes à laquelle on pouvait le faire, et alors on a procédé. Alors c'est un peu les deux, après tout. Dans le passé, les gens accusés de trafic de drogue en Haïti ont été arrêtés, ont été extradés aux États-Unis. Cette fois aussi, on va jusqu'à ça, on ira jusqu'à ça. Je ne peux pas parler pour notre département de justice. Évidemment, dans les trois cas qui ont été annoncés hier, ces sortes de choses, il y a pas mal d'évidence à travers le monde que nous, on poursuit ces choses. Et fur et par mesure, il se peut que ces individus se présenteront aux États-Unis d'une façon ou d'une autre à travers nos amis, des partenaires qui pourraient les arrêter, ou soit peut-être à travers des autres moyens, qui sait. Mais à préjuger comment on va progresser dans En fait, bon, pas qu'à faute de toute interview, parce que interview à longue pile. Ok. Ou ça, si, monsieur, ou la beurrée, pour le passer à côté de. Parce que le plan, c'est quoi? Quand les États-Unis soupçonnent un nègre, un monde en Haïti qui est en drogue, et c'est ça, me dit, ou même, m'kwa dans l'émission hier, là, m'dé tout ça, depuis les États-Unis soupçonnent un monde qui est en drogue en Haïti, yo cherche information, yo gen information sur les jeunes en drogue, yo pas fait l'autre bagage, c'est entre eux, vin prendre. Ok, et maintenant, c'est ça, Joseph Lambert avec Youi La Tortue, c'est ça que tu remets sous dos, mais ou doit attendre ou n'importe là, y a vin débarquer, vin prendre nèg yo là. Et bien, tu bagay petit qu'a fait là, non? Et même pour consolider position yo a, pour yo montrer pas fou là, y a fait parce que nan j'ai un pile moun la persécution. Même j'avoue peut-être, ou quoi que c'est persécution. Mais, même dis non, qui est-ce qui pas connaît Youri avec Lambert, nèg sa yo mauvais géo? Qui est-ce qui pas connaît? Qui est-ce qui pas connaît tout le monde qui nan politique en Haïti, nèg sa yo surtout, des grands manitou?
Qui est-ce qui pas connait nèg sa yo a gros babim sa yo? Qui est-ce qui pas connait nèg sa yo qui grand zan no kayo fève men? Hein? Ou pas connait comme si nèg sa yo nan ki niveau doit yo tremper mais yo tremper jusqu'au cou de même. Nan sak pas droit, nan sak pas bien dans pays là, ou bien tant connait. Et moi-même, moi dis ça et m'a répété, c'est mon engagement. Tôt ou tard, Diye a débarqué la vin pren Youri avec Lambert. Parce que c'est pour mes affaires. Les États-Unis disent qu'il y a preuve. FBI a preuve. Donc Diye a preuve également. Monsieur Patap, je me réponds pour dire oui à vin pren yo. Monsieur dit pas qu'à répondre pour le département de la justice. Ok, il va pas répondre. Mais attendez-vous. Pour yon djou nan drog, yon koni yon bon sanction parce que yon djou nan drog. Et pour passer à qui bon comme ça? Non, mon cher. Nèg sa yon ge pou yon subi même peine avec un nèg takou Guy Philippe. Quoi m'souvle? Bah, la papiti non ici. Bah yo pa piti non et pa blie m tou nèg sa yo tan kou Guy Philippe te gen partisan et cetera OK mais nèg sa yo plus populaire parce Guy Philippe. Mesdames messieurs, moi même seulement moi m'a dit toute mesure qui ka aider pays a ralon ouf moins pour li m'pa pour persécution m'pa pour y'a quitter cible principale à persécuter moun. Moi pour pays a ralon ouf. Quel que soit moun qui représente un obstacle pour pays a. Quel que soit nous gagnent. Ça qu'a fait pour l'IA que le fait. Parce que pays a de ralon souf. Nous vivons un moment parce que chaque pays qui a souffri, il vivait un moment quand la souffrance li fini. Mais c'est comme si nous même en Haïti, souffrance peuple haïtien comme si son souffrance à perpétuité lié. C'est comme si souffre ça pas j'aime gien fait. Et moi même m'attend toujours moi obligé attend toujours parce que laissez-moi vous dire mesdames messieurs comment t'a comprendre les parler de drogue les parler de monde qui dans trafic drogue dans pays là même gien nous là pourquoi j'aime tendre est vrai pourquoi j'aime gien mesure pour moi là ouais moi les t-shirts moi bien chita m'attend. Si ces sanctions sont réelles et sérieuses, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça. Et certainement, je vais espérer que ces sanctions sont réelles, mesdames, messieurs. Nous avons un pays qui a joué nous. Ce bon nègre qui tellement fait l'argent, dans les bagages qui sont. Et où est-ce que ça dit? C'est là que nous ne pas comprendre. La majorité de ces qui sont d'après vous-même? Agent Doubio, sous pas de compte samedi ou li. Vous paquet nèg là. Sénateur, ministre, premier ministre, président Sénat, nèg yo se agent CIA yo, yes ami. Yo nèg yo travail pour blanc. Et blanc privé nou moment, li pa besoin encore. C'est même gens leader politique en Haïti fait pour bandi yo. C'est même gens blanc fait pour nèg yo tout. Ou pa comprendre? Guy Philippe te travail pour blanc. Ou pa comme ça? C'est blanc même qui te voye Guy Philippe vin prendre Aristide en Haïti, oui. Et blanc te voye Guy Philippe. Et pas même lui même quoi pour Guy Philippe. Et pas lui même quoi qui arrête Guy Philippe. Qui met Guy Philippe dans prison. Et moi, je vais le comprendre. Un pile nèg là, sénateur, député, ministre, directeur général et autres. Directeur général la police. Un pile nan yo. Yo se agent DIA. Yo se agent CIA. Yo se agent. Y a porté renseignement by les États-Unis. Yo gen chèque yo kap entre chaque mois, oui. Ou pas comme ça? Un pile nan yo là, oui. L'opé Rudolf Jarre. Rudolf Jarre, où est qui actuellement là, écoué aux États-Unis. Rudolf Jarre, c'est nèg qui t'a travaillé pour dire, nous t'a travaillé pour département d'État américain, nous t'a travaillé pour les États-Unis. Vous pas comprendre. Nous sommes qu'on a débusqué qui côté trafic en drogue. Et pas même États-Unis ça encore maintenant pas de casavli. Et ce so, j'aime de dire, Rudolf Jarre n'a pas été arrêté. Pour son implication dans la mort de Jovenel Moïse. Il a été arrêté parce qu'il a trahi les États-Unis. Vous ne comprenez pas? Et les nègres qui ont travaillé avec CIA sont
c'est un, je dirais, son plaisir pour nèg yo, son fierté pour nèg yo. Yo gen batch CIA en pile nan yo. Mais c'est même blanc qu'on peut utiliser. Parce que comment faire une formation pour Bali? Comment faire qu'on parle de un gang avec tant de facilité? C'est parce que on a mis un gang non? Eh bien, c'est peut-être ça le bral pour encore, oui. La fin se va vers vous. La fin prend toute information à Bali. La paye pour information. Et après ça, la prend ou la traîne ou. Les bral font passer dans contre si vagabond, même j'avec Guy Philippe. Nous tous nous songez, là où t'es pour Guy Philippe. Comment y a passé Guy Philippe en dérision? Comment y a passé Guy Philippe dans tente? Fait Guy Philippe camper, fait photo avec Guy. Montrer oui, c'est lui même même. Ya, nous pral. This is the guy. Vous comprenez ça? Et c'est dans ça nous trouver nous chaque jour. N'en yon pas comprenez ça? Système ou américain mette, quand elle a capturé, c'est capturé moi le ça. Des leaders politiques, ces mêmes gens, ces mêmes structures, les leaders politiques qui mettent tout pour capturer des bandits. Vous ne comprenez pas? C'est bandits qui ont traqué les bandits, oui. Vous ne comprenez pas ça? Bandits qui ont traqué les bandits. Et même bandits à tout, ils mettent un système quand ils mettent propre bandits par le quartier pour veiller les nègres qui ont volé. Vous ne comprenez pas ce qu'ils ont fait là, sur l'échelle. À la traque, papa. À la toile, kay pou lave, kay te. Haïti nou gen pou nou wenn, gen pou nou tande. Bagay yo compliqué. Ariel Henry, monsieur, rendez-vous bay, mesdames, messieurs, rendez-vous cassé, samedi 12 novembre 2022, pour la distribution du carburant de les pompes à essence. Tout pompe a démarré dans même le. Samedi, tout pompe a bay gaz. Mais, avec qui prix s'il vous plaît ah mon cher nan prix Ariel Henry fait bay là ou connaît nous go application sans honte sous nous bon autorité haïtienne yo go application sans honte écoutez bien comment comprendre yo pose ministre commerce la question yo mande monsieur mais écoutez oui gaz la disponible kounya toute pompe alimentée mais est-ce qu'on ka di nous exactement à qui prix? Est-ce que c'est dans nouveau prix? Comment peuple après le faire? Comment situation va aller pour vous? Vous connaissez ça, monsieur répond. Vous connaissez ça sans honte la répond. Sans coup de chat, sans néant. Vous connaissez ça le répond. Monsieur dit, bon, peuple là, t'es qu'on achete, il y a des gens qui t'es qu'on achete gaz là, 5000 goud. Li pa wè ça son drame. Si toutefois, yon vin achete le kounya là, 650 goud, 670 goud. On ministre qui retel dit ça. Et c'est là pour comprendre. Rater gaz, c'est créer nèg yo te créer le pas jambe rater gaz. Comment bien oui. Et c'est là encore m'a prédit barbecue son ti malandré un ti vagabond lié. Chaque fois nèg yo besoin faire capital politique yo sous gaz là, yo utiliser monsieur. Donc son bagay voulu l'état même. Sou jè lè pou yo te monte la première fois, yo fait même mal propre. Deuxième fois yo monte, yo fait même genre encore. Yo créé rate, yo faut acheter bien cher dans la rue ya et puis kounya pou vinn sans il pas rien pour acheter n'importe prix yo ba ou. Ou quoi comprendre? Est-ce qu'on comprend nan ki sa nye? Mesdames messieurs, encore une fois, situation difficile et compliquée en Haïti. Bagay yo compliqué. Kozé cargaison bal, yo joine côté yo joine dame ça qui c'est Midren Manessa Millier qui c'est petite yon ancien magistrat yo joine ni avec plus passé 22 160 cartouches dossier a beaucoup fini parce que le relé magistrat le vice délégué Belader là qui c'est Marie Midren monsieur dit li pa konnen rien et Midren dit bal yo c'est pour Chiller lui. Et mais Chile Louis sorti lui-même, Chile lui dit, oh oh, m'bat gi bal no, bal pat pou mwen, bal yo se pou un Dominique. Kounya la, ou al chache ou al fouye plus ou tande, Midren habitué fè gen de transport sa yo, achete bal en République Dominicaine rentre en Haïti, et yo même dit, Midren ta gen souche. Avec bandi nan Port-au-Prince. Ou kwe seze? Yo même fait konnen Midren bal sa yo t'assemblé ses Port-au-Prince bal sa yo t'ap entré.
pour aller venir péter dans tête malheureux malheureuse. Ouais gang ti macaque assassine un paquet moun là dans Carrefour zone Procy. Et ben ti rivière la Tibonite massacre pired nèg ak zam k'ap troqué coup de balle population pas jamais suspendre victime et ce type de moun sa yo même k'ap acheter balle rentrer balle porter balle bay bandi et c'est ça que moi même moi prôné en faveur de peine de mort en Haïti. Nèg ki pral candidat là sou konn pa ka vin avec peine de mort pas même besoin candidat. Gemou après on tete le fin faire c'est pour ponni et pour mettre sous place publique ou fusil devant tout le monde pour toute caméra à regarder mettre sous chaise électrique parce que c'est ça qui pas gagné c'est parce que nèg la gitan konnen l'el fin faire une mauvaise action pas pour ken côté y a prendre et côté a prendre c'est couper y a couper tête li parce que le connait pas jamais faire ça qui fait li adonnel dans n'importe activité li fait n'importe salve dans pays a. Et peuple a lui même continue à subir assaut. Peuple a continue à subir négligence négio, nonchalance négio. Faut qu'il y ait des mesures drastiques qui prennent compte des nègres. Et c'est ça même qui permet à ce que pays a ralon souffre, population lui même li ralon souffre, parce que population doit ralon souffre. A qui prix gaz la bralvan, même prix Ariel te mette là. Samedi, dans pile organisation politique, gan pile groupement qui annonce opération bois calé pired. Comment la rue après lier samedi, il n'est que d'attendre, on attend. Nous tout espérer mesdames messieurs, peuple là, li rive joine une solution à sa gen là parce que peuple là pas capable. Imaginez, l'autant de nèg y a parlé yo di ou et faut que l'école ouvre, pas de problème, mais pas oublier. C'est pas l'école, c'est pas si vous n'avez pas décidé pas à l'école. C'est pas l'école qui a décidé de fermer porte yo. Comprenez bien, c'est parce que pas de transport, pas de moyens de transport, pas de gaz, pas de moyens, population, peuple là, y a pas de moyens vrai pour envoyer petit à l'école. Kounya là, expliquez-moi dans quelle situation, dans quel climat. Là dit l'école là ouvri, qui facilitation bay peuple là, qui moyen bay li qui soit créé pour lui. L'école là pas choisi fermer parce que elle voulait fermer, il était fermé parce que pas de moyens pour le déca ouvrir. Kounya là, qui sont fait pour le relouvrir. Chanel la se Haïti réflexion zami ki avec ou ase Esdras Fizeme. Nde kota ave ou, nde kota pote ba ou aktualite ya. Je liye, j'en habitué fel. Même j'avem ou tout nou kon sa et nou we sa. Situation a, li on ne peut plus compliqué. Rete connecté ensemble avec nous mesdames, messieurs, parce que kon en temps réel, en temps et lieu, na pote aktualite ya ba ou an dans la kayou. Et ceci, sous deux t-chaises. Rete là, mesdames, messieurs, pas déplacé non. N'a croisé un peu plus tard pour une autre vidéo.